Messieurs, bonsoir, bienvenue en direct de Carnet de Voyage, ici Xavier Lacaze. Salut! Steven Jinkle. Et tout de suite, un titre de Kyo. Regarde-toi, assise dans l'eau, à la lueur de nos mensonges, m'a glacé jusqu'à l'ombre. La voix des femmes. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance, et je te hais de tout mon corps, et je t'attends. On a parcouru le chemin, on a souffert en silence, et je te hais de tout mon corps, et je t'attends. Attention mesdames, messieurs, dans quelques instants nous allons passer la méridienne de Greenwich. Ah ben non, pour l'instant on va passer à un camion. 10, 9, 8, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et oui, ça tranche. Wow. Oh, la couille à Toronto. Beaucoup d'ambition alors dans la cette venue à Saragosse. La mission. D'ambition. J'ai de l'ambition. J'ai beaucoup d'ambition dans la vie en général, mais là particulièrement parce que je pense que je vais trouver mon âme sœur. Elle est ici. Je l'ai senti. J'ai eu mal au ventre en arrivant. Et je pense que c'est là. C'est gagné. Je suis satisfait d'avoir payé 30 euros d'autoroute juste de péage juste pour 200 km. Ouais. Voilà. Donc là, on a un très beau palais, je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est le palais des glaces, le palais des sports et le palais de Disney. C'est quand même assez joli. Cool. C'est quand même assez joli. Ouais. Il est faux chaud. Et puis là, on va essayer de trouver où c'est sans GPS, sans carte, sans. À peine sans crédit d'ailleurs, hein, puisque. On est des PGM. Oui. Oh mon dieu, je ne cadrerai plus. Voilà. Merci. Allez. À demain. Muy bien, muy bien. Alors là, on est à Saragosse pour notre première journée de visite avec. Et unique. Nos deux charmantes compagnons. Compagnonnes. Compagnons. Voilà, elles sont charmantes de toute façon. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller visiter une expo sur des aquariums bâtis. Ouais, pas plus comme ça. Un commentaire face à l'expo universelle, enfin l'ex de l'expo universelle. L'ex, alors déjà on est seul, c'est bien, on peut tout regarder seul. On est dans un espèce d'abri, je sais pas quoi, formé de tous les noms des pays du monde, de tout le monde. Et derrière nous, ici, un espèce de mur style Mario et enjoy a waterfront. Je sais pas ce que ça veut dire en soi. Spécialité locale, les churros. Et alors c'était comment? C'était bon, c'est pas du tout comme en France, ils ont pas la même forme en carton s'étoilé. Ils sont ronds, texture de beignet de calamar, ouais. Des formes du chocolat à la cannelle. C'est bon. C'est dense, c'est bon. Et voilà, maintenant on va aller voir s'il n'y a pas des tapas pour terminer notre fin.
commentaire, nous sommes actuellement sur l'un des plus hauts toits de Saragosse. Ah quoi déjà? C'est quoi le bâtiment? Basilica del Pilar. Basilica del Pilar, si. Et Xavier averti, Xavier se sent mal. Et moi je ris fort. Moi je crois qu'il y a 1090. 1090? Ouais, je vais bientôt trouver mon âme sœur, ça je sais, hein. c'est pour ce soir. D'accord. Nous sommes actuellement dans le plus beau parc de la ville. Parc... Parque Grande. Parque Grande, ok. Qui veut dire... Grand parc. Bien joué. Ah ouais, je parle espagnol, je suis bilingue. Au bout d'une journée, normal. Alors voilà. En fait, on a fait une feinte, elle nous a dit c'est beau, du coup on a regardé nos pieds jusqu'à tomber sur l'endroit exact, ici, et on a un peu glissé notre race en fait, c'est ça le truc. Petite explication de notre programme de la soirée. Alors actuellement on va aller au bowling espagnol, à la Gran Casa. Bah voilà, alors en fait ce qui va se passer c'est que je vais gagner, tu seras peut-être deuxième, et suivront nos deux accompagnatrices. Fuck me? I don't think so. Just try. Et voilà. Just the sky.